Salut, j'espère que tu vas bien, nouvel épisode. Regarde, je suis en train de transpirer. J'ai les bras, ils sont trempants. Donc voilà, là aujourd'hui j'ai fait du sport. Je suis allé quelque part, j'ai monté 500 marches et là je suis en train de redescendre les 500 autres marches. Donc je suis vraiment KO, là je suis en train d'être en mode transpiration. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, j'ai fait les Mua Cave. Donc du coup c'est voilà, tu montes une colline. Donc c'est une montagne karstique, comme tu vois ici là. Et voilà, donc en fait tu montes les 500 marches et tu arrives en haut de la baie d'Along terrestre en quelque sorte. Et tu as une vue sur 360 degrés, c'est juste magnifique. Bon, il m'est arrivé une petite couille là. Je suis resté assis pendant moins 20 minutes sur un rocher, tu vois, à observer la nature tranquille. Et en fait j'avais 2-3 chenilles, tu vois, sur la cheville. Du coup c'est en train de me gratter, elles m'ont un petit peu mangé, tu vois, la jambe. Donc du coup voilà, je les ai vite éjectées de ma jambe et je me suis levé voir si j'en avais pas dans le dos ou autre. Bon, j'ai pas pu trop regarder dans le dos, je pense que j'en ai pas. Même si je regarde comme ça, bon, j'y arrive pas. Donc bon voilà, donc là je suis redescendu parce que je me suis dit putain, ça commence à me gratter. Si je commence à faire une réaction allergique ou autre, tu te retrouves en haut à 500 marches. Si t'arrives un truc, bah vas-y, pour redescendre, il faut qu'on t'aide à descendre et tout. Donc je me suis dit bon, vaut mieux que tu redescendes maintenant. Comme ça, si t'as une réaction allergique ou autre, parce que c'est sévère, une réaction allergique, voilà, t'as un œdème de couille, tu peux plus respirer. Enfin bon, ça peut aller très vite. Donc si tu te retrouves en haut de la montagne, c'est quand même assez dangereux. En tout cas, je vais te montrer les images. Donc j'ai monté 500 marches. Bon, après quand tu arrives en haut, tu sais pourquoi tu as fait les efforts. Tout le monde était super KO, tout le monde en mode transpiration, tout le monde essoufflé. Donc voilà. Mais voilà, quand tu arrives en haut, bah, tu es super content de l'avoir fait, quoi. Donc voilà, moi je vais continuer un petit peu à descendre. Pendant ce temps, je te mets les images. Voilà, j'espère que la vue t'a plu. Ça c'était les Mua Cave. Donc Mua Cave, il faut absolument le faire si tu viens à Tamkok, à Ninbin, quoi, dans la région donc de la baie d'Along terrestre. C'est absolument à faire. Alors il faut payer à l'entrée 5000 dong, donc ça fait à peu près 3,50 €. Si tu viens en vélo, c'est gratuit le parking. Par contre, si tu viens en scooter comme moi, bah, du coup j'ai payé quoi, 10 000 dong, donc ça fait à peu près 20 centimes pour le parking. Voilà.
Donc vous comptez à peu près 4 euros pour pouvoir visiter les Mua Cave et donc monter cette montagne, quoi, voilà. Bon, en temps normal, c'est vrai que je fais pas trop de sport, tu vois, à part voilà, un petit peu d'entretien à la maison, c'est tout. Mais je vois que tout le monde est quand même KO, fatigué, tout le monde transpire, tout le monde a le t-shirt qui trempe, donc je me dis, bon, ça va, je suis pas le seul. Voilà, en tout cas, les marches, tu vois, c'est 500 marches, mais voilà, bon, on dirait pas, là, c'est des petites marches, mais quand tu arrives en haut, c'est genre, c'est le double ou le triple de ça. Donc, au final, tu fais 500 marches, mais tu aurais pu en avoir 1000 facile en ayant des petites marches comme chez nous en France, quoi. Tu vois, là, c'est des marches, elles étaient énormes, ça faisait peut-être des fois un demi-mètre, quoi. Donc, je te jure, des fois, j'avais le genou, il était carrément plié pour pouvoir monter. Enfin, c'était très, très chaud, quoi. Donc, voilà, ensuite, regarde, les marches, tu vois, il y a un petit peu de verdure et des fois, c'est très glissant, surtout que ce matin, il a plu un petit peu. Donc, là, c'est un petit peu boueux. J'ai vu des gens monter en tong, voilà le risque, quoi. Parce que si tu tombes, là, tu descends directement en bas, quoi. Là, c'est descente express, comme on dit. Donc voilà, si tu viens, pense à prendre des bonnes chaussures, tu vois. Style, voilà, style Salomon comme moi, ou au moins des tennis, quoi. Viens pas en chancle, en claquette, parce que c'est quand même assez dangereux, quoi. Bon, voilà, vidéo courte mais intense. Et des fois, on dit vaut mieux que ce soit court mais intense que trop long et pas très bon. Donc voilà, vidéo courte, mais voilà, les images parlent d'elles-mêmes. C'était super beau. J'espère que tu le feras si tu viens à Tamkok, parce que voilà, c'est à faire, ça vaut 4 euros. Mais la vue est vraiment imprenable. Donc voilà, j'ai fait de belles photos. Je vais mettre sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Voilà, écoute, si tu veux partager la vidéo, ben, partage-la sur tes réseaux sociaux, sur Facebook. Comme ça, tu peux faire découvrir les Mua Cave à tes amis, à tes proches. Voilà, like la vidéo si t'as aimé. Laisse-moi un commentaire. Et puis voilà, moi, écoute, je transpire tellement là, je vais je suis vraiment à la fin là, je suis juste en bas, je vais aller prendre une douche direction l'hôtel. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à plus tard.